Gaztelemo
Non. Conseils municipaux au boulot. De Pierre, notre ancien maire. Le conseil municipal a tenu de rendre hommage en baptisant notre salle multi-activité en son nom. Bien, on va manger dessus, de commencer. Et on va chanter un groupe chilien. Voilà, merci. Thank you.
À tous d'être présents pour notre partenaire Pierre Susquin. On va chanter à l'eau jaune. Donc, je disais que madame la sous-préfète avait participé à hauteur de 53 000 euros pour cette salle. La commune la remercie. Elle était très amie avec Pierre Susquin. Voilà, ils avaient créé vraiment de très bons liens. Merci à madame la sénatrice Denise Sempé d'être présente aussi, ainsi qu'à tous les élus de Soule. Pierre a été président du syndicat assainissement, du syndicat de l'eau. D'ailleurs, le prix de l'eau a baissé. Donc, on va être tous très, très riches dans ce thème. Je voudrais présenter le nouveau président du syndicat de l'eau. Il y a juste le gars à côté, pas où il est. Chicho, viens. Donc, voilà. Chichou de Marcus, notre nouveau président du syndicat de l'eau. Bon, le prix de l'eau a baissé, j'espère que tu ne vas pas l'augmenter, sinon tu vas entendre. Écoute, Christian, on partage ton émotion et sache qu'en même temps, on est fiers d'être là. Pierre était notre ami à tous. Et malheureusement, c'est toujours après une disparition qu'on rend hommage en mettant ou des salles ou des places au nom de ceux qui sont partis. Peut-être qu'il faudrait à un moment donné qu'on essaie d'imaginer que ceci soit possible de leur vivant, mais je suis persuadé que ceux qui créent ne l'accepteraient pas. Donc je crois sincèrement que l'initiative que tu as prise et que vous avez prise au nom du conseil municipal est une excellente initiative. Tant Pierre, et nous avons eu l'occasion de le souligner avec notre sous-préfète lors de ses obsèques, tant Pierre était attaché à sa commune, tant il était persuadé que cette commune, qui était composée de deux villages à l'époque, ne devait plus faire qu'un et qu'il ne pouvait pas, et qu'il n'avait pas le droit, il me l'a répété 50 fois, faire d'un côté sans faire de l'autre, ou faire les deux en même temps. Et l'équilibre par rapport à cette salle municipale,
aujourd'hui, il est vraiment démontré quand il a réussi à faire de cette salle de Viodos à Benz, située à Benz, une salle tellement conviviale et moderne, d'opportunités avec en plus l'utilisation du photovoltaïque, avec tout ce qu'il fallait pour peut-être s'adapter au goût du quotidien, qu'il était normal, et il me parlait de cette maison qui était ô combien dangereuse à l'époque, et qu'il était normal que l'on retrouve cet équilibre sur la commune de Viodos. Alors, moi je suis ravi, d'abord merci pour l'invitation. Madame la sous-préfète, je vous remercie pour votre présence, Denise, toi aussi. Et je remercie tous les élus qui sont ici présents, qui se devaient de rendre hommage à l'un de leurs collègues, aujourd'hui tragiquement disparu, trop tôt disparu, notre ami. Et je crois que, effectivement, lui rendre cet hommage en baptisant cette salle municipale, cette salle qui va être une salle d'animation du village de Viodos, la salle Pierre Suesker, c'est un hommage vibrant, honnête et reconnaissant du travail qu'il a effectué. Merci pour lui. Bonjour à toutes et à tous. Merci Monsieur le maire de m'avoir invité. Merci à tout votre conseil municipal également. C'est avec beaucoup d'émotion que je partage cet après-midi avec vous toutes et tous ce moment. Cette émotion vient du fait que je connaissais très bien Pierre Suesquin. Nous avons eu très souvent l'occasion de travailler ensemble. J'aimais beaucoup l'homme qu'il était, l'homme d'engagement. Et Pépéla vient d'en dire un mot, il aimait sa commune, il voulait qu'elle se développe. Et donc, il savait créer la synergie nécessaire pour regrouper l'ensemble des intervenants, l'ensemble des financeurs qui pouvaient l'aider, et qui pouvaient aider le conseil municipal, qui pouvaient aider la commune pour réaliser les investissements. Et je crois que on ne peut que vous remercier, Monsieur le maire, et l'ensemble de votre conseil municipal, de lui dédier cette maison. Et je dirais qu'elle est à son image, c'est-à-dire vous souhaitez que toutes les forces vives de votre commune, de Viodos à Benz, toutes les générations, la jeunesse, les moins jeunes, puissent se retrouver au sein de cette maison des associations. Et je crois que c'était lui, c'était son image. Il aimait beaucoup que les gens se rencontrent, échangent, puissent aussi faire la fête. Et je dirais que Pierre avait l'intelligence d'abord de l'engagement, de l'homme public qu'il était. Et tous les élus ici présents savent ce que veut dire l'engagement public. C'est-à-dire, c'est toute une partie de sa vie que l'on donne aussi pour le bien commun, pour que les administrés puissent vivre heureux dans la commune et puissent avoir envie de s'épanouir et que les jeunes puissent avoir envie de résider dans la commune. Alors, pardon, Monsieur le maire, je ne sais pas si Michel est là, mais si Michel est là, je veux également lui rendre hommage. Et puis Pierre, c'était aussi, comme je l'ai un peu dit dans mon propos, c'était l'homme du cœur, à côté de l'homme d'engagement, l'homme public, l'homme au service des autres, c'était l'homme de cœur. Et pour ma part, j'avais avec Pierre une relation amicale qui datait depuis longtemps, puisque Pierre connaissait aussi, alors pardon de vous donner cette petite connotation personnelle, mais après tout, on est là cet après-midi pour laisser parler notre cœur aussi, toutes et tous. Et Pierre connaissait très bien mes parents aussi, qui venaient tous les mardis au marché de Mauléon.
Il entretenait avec mes parents une relation personnelle, amicale. Et Pierre était aussi très présent lorsque chaque fois que je briguais une élection, Pierre savait être là dans tous les moments pour m'encourager, pour me féliciter. Donc pour cet homme de cœur qu'il a été aussi, je veux à mon tour, comme vous toutes et tous présents cet après-midi, lui rendre hommage. Donc merci Monsieur le maire, merci à votre conseil municipal d'avoir su nous donner ce moment et l'occasion de lui rendre hommage. Milashker. Monsieur le maire, madame la sénatrice, monsieur le conseiller départemental, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs. Je vous remercie, monsieur le maire, de m'avoir donné l'opportunité d'être parmi vous aujourd'hui pour inaugurer cette maison de vie. J'avais des empêchements aujourd'hui et vous avez gentiment décalé la cérémonie à 16h. Donc je vous remercie vraiment de cette attention et de m'avoir donné l'opportunité d'être là. Lors de ma dernière visite à Vieux-Dos, à Binse-de-Bas, le 28 novembre 2017, nous étions réunis pour honorer la mémoire de M. Pierre Suesquin. Je saluais alors un homme sincère, actif, un maire exemplaire, capable d'assumer avec courage et détermination ses convictions et ses responsabilités. En effet, il avait été conseiller municipal depuis 1989, puis élu maire depuis 2001. Il exerçait donc pendant plus de 15 ans le plus exigeant des mandats électifs, incarnant le plus directement la représentation des habitants, leurs aspirations et leurs difficultés. Une des aspirations des habitants de la commune de Vieux-Dos à Binse-de-Bas était de disposer d'une salle multi-activité afin de se rassembler, de partager d'agréables événements de la vie, de profiter de moments autour d'associations culturelles ou sportives, de vivre ensemble, tout simplement. L'État donc ne pouvait rester insensible à ce projet et y a contribué, comme vous l'avez dit, à hauteur de 30%. Et constituer des dossiers de demande de subvention représente une des nombreuses tâches d'un maire d'une commune. Et je sais que le département a également participé à cette maison. Bref, je vois dans l'aboutissement de ce projet toute la ténacité de l'action de M. Pierre Suesquin et son engagement pour le bien-être des siens. Mais je tenais également, M. le maire et mesdames et messieurs les élus, à vous féliciter d'avoir eu le courage d'abord de porter ce projet au bout et de lui avoir donné le nom d'un élu si digne de sa fonction. C'est l'hommage d'un territoire, d'une commune, mais également d'une vallée, la vallée Souletine, qui permet ainsi de se rappeler, à la lecture de ce nom, de l'engagement d'un homme, l'engagement d'un homme pour les autres. Puisse ce modèle de courage nous inspirer et guider notre action dans les fonctions qui sont les nôtres, au service de l'intérêt général et de nos concitoyens. Au titre de ces différentes fonctions, j'ai eu le privilège de connaître un homme plein d'esprit, d'une gentillesse incroyable, d'une bienveillance également, et je suis certaine qu'il aurait été très fier de voir son nom sur un lieu de vie, de partage et de convivialité. Alors regardons maintenant l'avenir, fort de toute l'expérience que nous avons partagée à ses côtés. Merci beaucoup. Bien, on va procéder à l'inauguration. Donc, il y a deux conseils municipaux qui vont venir avec le ruban. Bien, nos petits danseurs vont nous faire une petite danse, comme ils savent bien faire.
comme vous voulez. Thank you.
très attachant, un maire bienveillant et extrêmement tenace sur ce dossier. Bref, maire de tout engagement au service des autres. Voilà, une belle personne. Pierre était un homme extraordinaire. D'abord, il avait l'intelligence et la force de l'engagement. L'engagement pour les administrés de sa commune, pour Viaudoz et pour Abens. La force de l'engagement pour toute la soule. Parce que Pierre ne travaillait pas seulement que pour la commune de Viaudoz-Abens, mais Pierre s'engageait pour toute la soule. Et puis le deuxième volet, deuxième trait de caractère que je retiens de Pierre et qui m'a beaucoup marquée, c'est l'homme de cœur. L'homme qui aimait les rencontres, qui aimait faire la fête, qui aimait la convivialité, qui aimait que l'on se retrouve autour d'une table, boire un verre de rouge, il aimait cela. Et Pierre avait beaucoup d'amis et il était vraiment sur un plan humain, réceptif aux autres, et il savait apporter beaucoup de chaleur humaine. Voilà les deux traits de caractère que je retiendrai de Pierre Suesca. D'où ma présence aujourd'hui avec vous, parmi vous, aux côtés de Monsieur le maire et du conseil municipal, et aux côtés de toute la population et de tous les élus du territoire aussi, puisque j'ai vu que tous les élus du territoire de la Soule sont là. D'où ma présence parmi vous toutes et tous cet après-midi. Pierre, c'était un grand monsieur, il nous a appris beaucoup de choses au village. Personnellement, pour moi, ça a été comme un père aussi. Il m'a appris, en étant président du comité des fêtes, j'ai eu travailler avec lui en tant que président du comité des fêtes. Après, je suis rentré au conseil avec lui parce que je voulais apprendre encore avec lui de beaucoup de choses. Et c'est quelqu'un qui savait parler, que ce soit aux petits ou aux grands, il leur parlait d'une manière simple et c'était un monsieur. Pierre, pour moi, c'était un copain. Je le connaissais depuis mon plus jeune âge. C'était un pote, un ami. Puisque avant d'être maire, c'était un super copain. Et ça restera pour moi un copain, un ami. Une personne qui était exceptionnelle, avec un cœur exceptionnel et qui pensait tout le temps aux autres et non à lui. Et je lui souhaite de reposer en paix là où il est, le pauvre, avec tout ce qu'il a fait pour notre commune et tous ses amis. Respect. Amour, c'est peut-être trop classique. Et deux mots, alors, grand cœur. Très grand cœur, trois mots. Quatre mots. Comment t'as vécu cette journée? Ouais, on est un peu novice, il y a quelques pétions, comme on dit, mais c'est à partir du moment où vous voulez lui rendre hommage, c'est un très grand moment. Pour nous et pour les gens qui sont venus, j'espère. On essaiera de faire mieux, mais en espérant que ce soit pour une autre occasion et peut-être pour honorer quelqu'un qui sera vivant. On ne remplace pas Pierre. On continue son travail, on fait au mieux. Voilà. Pierre, c'était mon grand ami, mon frère. Il m'a tout appris pour la mairie. J'ai beaucoup souffert, énormément souffert de sa mort. Voilà. Et j'ai eu énormément de mal à remplacer, j'en ai encore. Voilà, mais la vie continue. Quand même une journée exceptionnelle aujourd'hui par rapport à ce qu'il a fait. Oui, mais oui, on voulait lui rendre hommage, c'est normal, il le mérite amplement. Voilà. Et tous les gens du village étaient contents de lui, donc c'est. Beaucoup d'émotions. Oui, énorme émotion. Ouais. Énorme émotion, j'avais les larmes, voilà, c'était difficile, oui. C'était difficile.